Lionel Jospin, après Marseille, a choisi de se rendre aujourd'hui à Sarcelles, une ville sensible du Val d'Oise. Il fut question de son programme pour la jeunesse. L'occasion également pour Lionel Jospin de commenter la déclaration finale du sommet de Monterrey au Mexique. Reportage Jeff Wittenberg, Fabrice Dujardin. Il y a forcément des sujets qui permettent d'engager très vite le dialogue. Et du foot, évidemment. Et tu joues quoi? Quel poste? Attaquant. L'itinéraire d'une visite de campagne ne doit rien au hasard. Celle du jour comporte une étape très symbolique, un commissariat. Et les mômes, vous les prenez un par un, les gosses, bon, ça se passe bien. On dit les mômes, au moins ils peuvent fumer un joint, ça peut arriver. On essaie de discuter, on peut discuter. Il y a une petite minorité, je vous dis, on les connaît tous. C'est là, c'est plus dur. La sécurité, la question est là, omniprésente. Alors, Lionel Jospin goûte au bain de foule. L'organisation et l'influence de Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles ont été utiles. Il promet de nouveaux moyens pour la politique de la ville, mais il revient sur la question de la violence avec à la clé une mise au point. Je refuse que les comportements violents d'un certain nombre de jeunes, on en parlait tout à l'heure avec les policiers, conduisent à une stigmatisation générale de la jeunesse. Jacques Chirac s'est déjà rendu 3 fois dans des quartiers dits sensibles pour parler de sécurité. Sur ce terrain, Lionel Jospin n'entend pas être en reste.